Souvent, ça m'arrive de bloquer quand je veux parler le français. Donc, c'est quoi la solution? Aujourd'hui, je vais vous donner la solution. D'accord? Mais avant de vous donner la solution, on doit bien comprendre le problème. Donc, quand vous bloquez, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tout simplement, vous n'êtes pas capable de sortir le français dans la bouche. Le français n'arrive pas à sortir. Donc, pourquoi le français ne peut pas sortir dans votre bouche? Tout simplement parce que quand on veut parler, quand on veut dire quelque chose, avant de le dire, premièrement, on le pense. Premièrement, il est là dans la tête. Donc, si vous n'arrivez pas à parler le français, tout simplement, ça signifie que le français n'existe pas dans votre tête. Donc, l'origine du problème du blocage, c'est qu'il n'y a pas de français dans votre tête. Donc, c'est ça l'origine du problème. Et comment résoudre ce problème? C'est très simple. Première des choses, pour ne plus bloquer en français, tout simplement, il faut bien remplir votre tête en français. Il faut bien lire, il faut bien écouter le français, il faut la pratiquer, il faut bien remplir votre cerveau en français. Si vous lisez beaucoup, si vous écoutez beaucoup de français, qu'est-ce qui se passe? Si on ouvre votre cerveau, on va trouver beaucoup de français. Et si on trouve beaucoup de français dans votre cerveau, c'est très simple, c'est très normal que pour la parler, ça va être quelque chose de très facile pour vous. Donc, première étape ou bien première chose, il faut remplir votre tête par la lecture, par l'écoute, etc., pour qu'il y ait du français dans votre cerveau. D'accord? Deuxième des choses, il faut avoir la confiance. Donc, même si vous avez du bagage, vous avez du français dans votre cerveau, si vous ne la pratiquez pas quotidiennement, premièrement avec vous-même, vous aurez toujours ce problème de blocage. D'accord? Donc, première des choses, il faut avoir la confiance de parler le français. Pas dès le début d'aller parler le français devant des centaines de personnes, mais au début, commencez à parler le français avec juste vous-même. Juste le fait de raconter une histoire à vous-même, juste le fait de raconter comment vous avez passé votre journée avec vous-même, c'est très efficace. Le fait juste de lire des journaux, bien des histoires, ou bien des articles avec vous-même chaque soir, ou bien n'importe quel moment de la journée, c'est beaucoup important. Comme ça, vous allez gagner de la confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on va avoir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit étape par étape, degré et voilà, avec des degrés. D'accord? Donc, deuxième des choses, il faut avoir la confiance. Comment avoir la confiance? Premièrement, il faut commencer avec vous-même, parler avec vous-même et par la suite, vous parlez avec quelques amis de vous, votre entourage, votre famille. Comme ça, petit à petit, vous allez gagner la confiance en vous jusqu'à arriver à avoir la confiance de parler français devant un grand public. D'accord? Deuxième des choses, c'est ça. Troisième chose, c'est tout simplement la pratique. Donc, si vous voulez tuer, si vous voulez éliminer le problème du blocage, il faut toujours pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous pratiquez, vous pratiquez plus de temps, soyez sûr et certain, avec le temps, vous aurez plus ce problème du blocage. D'accord? Donc, c'est des étapes ou bien c'est des techniques qui sont très simples, mais ils vont vous aider à éliminer le blocage dans votre vie. D'accord? Donc, c'est ça les trois techniques. J'espère que vous l'avez compris. Si vous voulez que je vous accompagne, je vous donne plus de techniques et faire un programme sur mesure par rapport à votre niveau, voilà, je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez, vous me rejoignez ou bien vous pouvez me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage. À la prochaine vidéo.